FGITV toujours en direct, bien sûr. Le direct, ce sera dans 5-10 minutes, le concert avec So Long, Jean-Luc Thiévent et ses deux acolytes. Mais auparavant, nous recevons avec plaisir Pierre Journel, l'un des incontournables du salon du festival. Bonjour Pierre. Eh bien écoute, je viens d'arriver et je suis effectivement hyper content d'être ici. La guitare, bien entendu. Incontournable, je ne sais pas, mais très content. Ouais. Oui, je sais. Ouais. Je sais, pour te suivre périodiquement sur, dans les différents réseaux sociaux, je sais que tu adores ce festival d'Issoudun. J'adore. Pour moi, c'est un. Je fais beaucoup de salons que je couvre un peu partout dans en France, entier. En Europe, dans le monde. Entier, j'ai fait au Japon, j'ai fait aux États-Unis. Et vraiment, il y a un truc qui est unique ici à Issoudun qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc, j'y reviens bien sûr pour le travail, mais avant tout pour le plaisir, la convivialité. Quoi. Tout est dans un même lieu. La scène est à 5 cm de nous. Le Dadgad Café était à quoi, à 10 mètres. Exactement. Et puis les invités se succèdent tout au long du week-end. Alors toi, tu es un amoureux de la guitare, bien sûr, mais la différence, c'est que tu joues, bien sûr, tu es guitariste. Oui, guitariste amateur. Tu as envie que le monde entier aime la guitare. Et c'est un peu effectivement tout le projet derrière la chaîne guitare. C'est pour ça que le slogan, c'est amplificateur de passion. Oui. C'est, moi, je suis avant tout un passionné de guitare. Et il se trouve que depuis 10 ans, je fais des interviews de musiciens dans tous les styles, du classique au métal. Jazz, blues, etc. Je fais aussi beaucoup de reportages sur les événements. Il se trouve aussi, de temps en temps même, j'en organise un, puisque début octobre, j'étais organisateur du salon des luthiers du festival guitare de Puteaux. Donc c'est pour ça que je suis encore plus content d'être ici, parce qu'ici, je viens et j'ai juste mon stand, tu vois, j'ai rien organisé, quoi. C'est pour ça que je salue encore plus le travail qu'ils font ici. Sans responsabilité, quoi. Voilà, c'est ça. Moins de pression et c'est bien agréable, et ce qui m'a permis de me rendre compte à quel point ils font un boulot incroyable ici, quoi. Donc, il y a aussi des tests de matériel avec toi. Et il y a aussi des tests de matériel, guitare, bien sûr, on peut venir au showroom sur rendez-vous, etc. Tout plein de choses. Quoi. C'est le Netflix de la guitare. Alors, tu n'es pas venu les mains vides, mais j'ai cru comprendre que tu étais venu les bras chargés d'un au moins un cadeau. Voilà. Alors explique-moi ce que tu offres avec la chaîne guitare pendant ce festival. C'est quelque chose que je fais, mais alors c'est la première fois que je le fais tout court d'ailleurs. Donc moi je fais payer l'abonnement pour accéder au contenu que je propose. Et là, la réduction est de 50% si vous venez sur le stand. Et je prends carte de crédit, chèque, comptant. Voilà, donc ça fait l'abonnement à 55 euros au lieu de 110. C'est l'abonnement, c'est l'abonnement pour un an. Voilà. Pour un an, vous rendez compte, un an de chaîne 50% guitare, de réduction, avec c'est scandaleux. Des centaines d'interviews. Oh là, je suis à 1500 interviews et quelques, donc ouais. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut revoir tes anciennes interviews? Explique-moi. Ah bien sûr, on a accès à tout le catalogue. D'accord. Il y a parfois même des gens que j'ai interviewés plusieurs fois. Je me rappelais tout à l'heure en venant avec émotion quand j'ai interviewé ici John Scofield en 2016. Voilà, c'était un des grands moments. Puis il y a eu plein d'interviews ici, que ce soit en français ou en anglais. Quoi. Oui, parce que pendant que tu es ici, il faut bien le préciser, tu interviews également. Exactement, donc, tu charges tout à un peu fait. La machine pour voilà. Le reste de l'année. Exactement, je fais reportage, interview, dès que je vois un musicien qui passe, je me jette dessus, un luthier qui a une histoire à raconter, comme tous les luthiers, voilà. Il faut dire que le Festival d'Issoudun a tout prévu, je crois, en mettant à ta disposition une salle d'interview, plus. Non, oui, tout à fait. Oui. Alors là, j'ai changé un petit peu d'endroit aujourd'hui, oui. Je ne sais pas encore exactement où est-ce que je vais être, mais ça, c'est sûr que je suis toujours très très bien reçu à Issoudun, quoi. C'est pour ça que je reviens, hein, bien sûr, et aussi pour te voir, bien sûr, bien sûr. Daniel. Mais bien ça, sûr. J'avais compris. Voilà, ah, mais bien ça, sûr, j'en étais convaincu. La modestie, le mec. Bon, je crois, je ne sais pas si on a les mêmes goûts d'ailleurs en musique, en guitare, mais enfin, on a plein de points communs. On a plein c'est de ça. Points communs. L'avantage pour moi, c'est que j'ai connu la guitare avant toi. Ouais, de peu. Ne te laisse pas tromper par ma crinière. Oui, ça, c'est la jalousie qui m'anime. Oui, toi, tu étais fan plutôt dans ta jeunesse, c'est-à-dire en ce moment. Plutôt ma jeunesse, donc il y a très très longtemps, plutôt ce que j'appelle la musique de vieux con. Hein. Moi, quand j'ai joué dans les groupes, c'était pour reprendre du Rolling Stones, ZZ Top, Van Halen, tout ça. Quoi. C'est un peu de Creedence, voilà. Ouais, mais c'était pas facile à chanter, c'était assez haut. Hein. Du statu quo, peut-être un peu. Ouais. Ah ouais, statu quo. On a tous connu les mêmes périodes. Ouais. Et cette année, tu as un rêve là? Tu comptes rencontrer des... Écoute, moi, même si ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça, que j'ai rencontré des centaines de musiciens, j'ai toujours conservé un peu mon côté midinet. Donc moi, la prochaine interview que je vais faire... T'es groupie, quoi. Ouais, mais absolument, je suis groupie. Je te comprends. Et dans mes interviews, en fait, je pose les questions dont j'ai envie d'entendre les réponses, quoi. Donc, oui, enfin, ça, c'est le principe de l'intervieweur. Oui, non, enfin, il y a des fois, les intervieweurs, ils posent des questions au kilomètre, comme ça, ils ne s'intéressent pas à ce que la personne dise. Il y en a, ce qui n'est pas ton cas, Daniel, hein, mais il y en a qui débitent un peu les questions où il n'y a rien qui se passe, quoi.
Donc après, il y a encore plein de gens qui restent à rencontrer. Bref, on est heureux. Mais voilà, exactement, la chaîne heureux. Guitare, donc la chaîne guitare sur Internet et surtout pendant 3 jours ici en direct. Exactement. Aller rencontrer Pierre Journel lui-même himself sur son stand FGI TV avec les chemises à fleurs. Guitare. Hein. Merci. D'un petit côté Antoine 1966, ça c'est parfait. C'est et les ça, cheveux aussi parfait. D'ailleurs. Merci Pierre.